Bien, salut tout le monde, c'est Eldrazi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Minecraft et je vais vous apprendre un petit système pour l'aider à coudre car voilà ça, quand on casse les blocs ça crée des courants quand on casse les blocs mal et c'est très embêtant. Donc là je m'excuse si j'ai vraiment des lags, c'est pour le moment parce que dessous il y a plein de redstone qui est qui est activé. Alors pour le remettre, ici nous avons reset party, je clique et nous avons plus de courant. Voilà, donc on se retrouve juste après pour le tutoriel. Donc là je vais on va se quitter là et je vous montre le système juste après. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà hein, j'ai enlevé tout le système, donc on va commencer à poser les pistons comme ceci. Voilà une rangée de pistons dessous. Voilà, ici pareil, on va mettre une rangée de pistons par dessus. On va faire un escalier en fait, vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà, comme ceci. Là encore en dessus, on met encore une hauteur de piston. Donc j'enlève cela, je m'étais appuyé sur lui. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs là j'ai oublié de prendre de la stone. Ici, on va faire une couche. On vient poser une couche de stone et on va poser des torches comme ceci. Et on va juste passer là. Alors j'enlève toute cette stone et des redstone ici. Ce qui fait que nos pistons sont activés. Voilà, donc ça fait un escalier. Derrière les blocs, là, on met des repeaters. À n'importe quelle distance, ça change rien. Et on met de la redstone. Voilà, au passage, je vais creuser ici. Alors, j'ai déjà creusé un peu partout. Hein, là-bas, j'ai fait descendre un peu le bouton. Comme ça, ça sera plus simple. Ensuite, ici. Donc, on va partir ici. On va poser juste à un bloc en dessus des repeaters, c'est-à-dire au niveau des torches. Voilà, au pire, je vais toujours me mettre comme ça. Je viens poser, donc du coup je vise la torche et je pose mon piston. Donc ça peut marcher avec des pistons collants, mais bon, je préfère faire avec des pistons normales. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas cheater, bon, ça va être difficile pour eux parce qu'il en faut quand même pas mal des pistons, donc beaucoup de ressources. Mais comme ça, ça vous évite de farmer de la slime ball, c'est ça? Donc voilà. Donc on continue, alors ce piston s'est activé parce qu'il y a des torches derrière, mais cela il ne s'est pas activé. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Et là on vient rajouter aussi une couche de piston. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'eau va être que de profondeur. Et il faut creuser une distance assez profonde, ben, tout ça. Donc on va le compter ensemble, j'ai oublié, 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc pour ce système il faut creuser 11 blocs de profondeur. C'est quand même assez profond. Bref, là on revient mettre un bloc de stone ici, pareil. Donc on va laisser un espace ici parce qu'il faudra que je passe là. Et on revient poser pareil des torches de redstone. Non, pas là. Voilà, là je dis une bêtise parce que ça va activer ici. Et donc c'est une bêtise que je viens de dire. Donc, on... D'ailleurs, je me suis trompé aussi, là. C'est pas là qu'il faut le mettre, le piston, mais ici. Voilà, comme ceci. Alors, dessous, on met nos torches. C'est en fait que là, comme je mets les torches sous, là, ça va activer ce piston et ce piston. Je sais pas si vous l'avez, si vous l'aurez compris. Voilà. Ah mince, d'ailleurs, j'ai encore oublié un piston. Mais attendez, j'ai posé les torches. Là, je vais poser, je me lève un peu, voilà, on fly, et on va poser les pistons. Visons les... Allez. J'ai toujours détesté ce fly. Voilà. Donc, là, on fait la rangée entière. Voilà. Là, il nous reste encore deux rangées, donc... on vient poser comme ceci. Non, je me suis trompé. C'est au niveau des torches, celui-là.
Alors pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est un raccourci, on va dire. Ça ira plus... C'est plus simple de faire comme ceci parce que une longueur peut permettre de lever 3 ou 4 pistons. Et là, pareil, on vient poser comme ceci. Voilà. Donc là, je suis conscient que je viens d'oublier de poser la redstone en dessous. Donc on va la poser tout de suite. Donc, tac, là. Comme ceci. Là, j'ai un petit lag. Tac. Et là, on vient poser des délayeurs. Et on relie tout ça à la redstone. Tac, on fait un trou ici. Ouais, c'est bon, c'est les bonnes longueurs comme tout à l'heure. Voilà, et là, on vient poser un bloc de redstone, de piston. Ici, on vient péter comme ceci. Donc, prévoyez, si vous faites ça en plein milieu de la mer, je vous conseille de faire un sacré bloc autour, hein, et en profondeur. Et il faut... Voilà, donc j'avais... Ouh, lag. J'avais déjà tout prévu, les amis. D'ailleurs, je crois que c'est pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Tac, tac. Ici, un. Bon, oui, c'était pas comme ça. Ah, purée. Voilà. Bon, ça a été un deck. Encore un lag de souris. Je suis vraiment désolé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ça va être ma table qui fait ça. J'essaierai de régler le problème pour ma prochaine vidéo. Bref, là on continue, on repose des délayeurs. Voilà, tac. Et voilà, donc ici, théoriquement là tout est activé, ça nous fait un superbe escalier. Voilà, donc un escalier qui peut nous faire laguer. Donc là je sais pas si sur la vidéo ça va vraiment laguer, j'espère pas. Donc là on met un repeater, comme ça au moins on est sûr que le courant va tout au fond. Pareil ici et pareil ici. Ensuite, alors là il faut choisir l'endroit. Moi je l'ai mis tout en haut de la colline, je sais pas si vous avez remarqué. Et vous voyez ici, il y a un long escalier, hein, avec que j'ai fait, hein. Donc ça monte tout en haut jusqu'au bouton. Ouh, là par contre je lag vraiment. Ça monte jusqu'au bouton. Et voilà, c'est plus simple. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Donc on va faire un reliement. Non, c'est pas la bonne hauteur, celle-là. On va relier tout le bordel. Donc je mettrai les répéteurs après. Voilà, donc on relie. Tac, voilà. Alors maintenant on vient relier avec le courant. Voilà. Et ici. Donc normalement le courant va jusqu'en haut. Et normalement les amis, il nous reste plus qu'à boucher tout ça avec du sable. Et voilà, c'est fini. Alors je ne sais pas si ça va bugger. Non, c'est bon, ça va bugger. Bon, pire, non, c'est pas grave, ça se verra pas ça. Et maintenant, donc on monte le sable jusqu'à ce qu'on ait une limite de 2 de haut. Comme ceci. Donc je vais le poser partout. Voilà, donc c'est super passionnant, hein. Et aujourd'hui je ne vais pas faire de coupure, on va tenter de faire un accéléré. Donc on se retrouve juste après là avec un petit accéléré. Allez, souhaitez-moi le bon courage. Et donc voilà,
Enfin, je suis arrivé à poser tout ça en une journée. Donc, ensuite, pour ceux qui ne veulent pas cheater, alors pour poser l'eau, c'est pas compliqué. Soit vous utilisez comme moi l'outil World Edit avec la hache en bois. Il faut juste que je la retrouve. La hache en bois, voilà. C'est-à-dire, je prends une sélection comme ceci. Dans le doute, quand même. Voilà, et une sélection ici. Je fais slash slash set water. Et je slash slash undo, donc premier fail. Toi et set water. Voilà. Soit vous faites World Edit d'ailleurs qui a complètement foiré, hein. Soit tout simplement au lieu de vous embêter, vous venez là-haut à votre système d'accession, au lieu de mettre un bouton, vous y mettez un levier. Tac. Donc ça va activer le système et laisser que un bloc de profondeur. Et dans ces cas-là, bon là par contre ça risque de vachement laguer, donc et vous posez votre eau. Voilà. Donc je trouve que ça, voilà, c'est facile, c'est pas compliqué. Et voilà, donc là je remonte. Et théoriquement, là j'ai eu un gros lag. Voilà. Donc moi, je vais remettre un bouton. Car c'est plus mieux les boutons. Et voilà. Donc du coup maintenant vous pouvez créer autant de courants que vous voulez, hein. Donc par exemple on va créer un beau courant central. Tac. On peut tout casser. Alors pour 3 de profondeur c'est beaucoup plus compliqué. Car il faut le faire un système avec que des pistons se rétractent puis se ouvrent et tout ce bordel. Là on clique et j'ai eu des gros lags et voilà. Donc moi je vous dis mais au revoir parce que ce tutoriel arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que vous partagerez, que vous aimerez et que vous commenterez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Je sais, je me répète, mais bon, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, on va sauter de tout en haut là. Allez, ciao.